Bienvenue dans ma capsule d'exercice dans un parc. Alors, je vais vous montrer deux exercices pour les bras et les épaules et le dos que l'on intègre lors d'un arrêt, lorsqu'on fait un jogging ou une marche rapide à l'extérieur dans un parc. Alors, aujourd'hui, je me nomme Paul Boisvert, docteur en kinésiologie et coach minceur en perte de poids. Le premier que je vais vous montrer ici, c'est celui qui permet en position droite. Donc, pas les fesses penchées, mais vraiment droit, de relever le corps. Alors, plus on est penché, mieux sera efficace l'exercice. Alors, on peut en faire une vingtaine. Le deuxième exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile. Il s'agit de faire des pull-ups. On peut faire un arrêt ou pas d'arrêt rendu en bas, dépendamment si on touche à terre ou pas. Une façon plus facile, parce que les femmes parfois sont incapables de lever le poids de leur corps, ça serait à ce moment-là de tout simplement bien s'étirer au bout des bras et avec les pieds appuyés et de relever une partie de leur corps de façon telle que au moins les omoplates rentre à l'intérieur et les épaules se replacent. Et puis, on peut maintenir cette position-là pendant 10 secondes. Alors, c'était ma capsule d'exercice dans un parc. Ici Paul Boisvert, docteur en kinésiologie, coach minceur en perte de poids. Vous pouvez suivre mes autres capsules d'exercice dans un parc sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Et mes services de coaching minceur sont disponibles sur mon site internet à coachpoissanté.ca. Vous pouvez suivre aussi mes capsules diverses sur l'alimentation, l'activité physique et le contrôle du poids sur ma page Facebook Pro à Coaching Poids Santé.